Xin cho anh coi cho. Please be seated, sir. It's the graph here. The trial chamber announced the continuation of our proceeding. The graphia report about the presence of the parties and the witness for today's proceeding. Est-ce que le graphier peut nous indiquer quelles sont les parties présentes aujourd'hui? Le greffier. Mr. President, all the parties are present. Monsieur le président, toutes les parties sont présentes ce matin. Is also present. Et les témoins sont aussi présents. Andrea. Le président. The president, the security officers bring the accused to the dock. Je demande aux gardes d'amener l'accusé à la barre. The President, for proceeding, give the floor to the civil parties lawyers in group 2 and 4, je donne maintenant la parole aux parties civiles, groupe 2 et 4, qui n'ont pas eu la possibilité de poser des questions à l'accusé hier. And the trial chamber would inform the time limit for each group is 30 minutes. Et nous donnons 30 minutes à chacune, à chacun des groupes. The second reminder is that for the questioning to the accused, try avoid repeated questions. Je vous invite aussi à éviter de poser des questions qui ont déjà été posées. For longer questions, break them up into smaller questions in order to make them more precise. Je vous invite à les fragmenter pour to understand and respond properly. Les poser de manière précise et permettant à l'accusé de répondre comme il convient. First, the civil je donne d'abord la parole lawyers for group two. Au the floor groupe is yours. 2, je vous en prie. Yes. Maître Stuchinski. President, good morning. Bonjour, Your Monsieur Honest. Le Thank Président, you very much. Madame, Messieurs les juges. I start now. First, I would like to know, do you agree première that question, M13 je voudrais savoir si vous êtes d'accord pour dire que M13 était un centre d'exécution. The accused Song Gorup. Good morning, Madame Lawyer. L'accusé, bonjour. At first, M13 is a criminal mechanism from the 20th of July 71. Criminel qui remonte, dont l'existence remonte au 20 juillet 71. The 17th April 75. Et qui est resté en existence jusqu'au 17 avril 75. Do you agree with me that it can be question. Called a killing center? Mais êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'on peut l'appeler and centre d'exécution? Answer short and precise. Et je vous invite à répondre de manière courte et précise à cette question. The accused. Réponse. I
I do not object to that. I have already informed. Je n'objecte pas à cette appellation. Killing mechanism. Je vous ai déjà dit comment tuer. Started from the 20th of July 71 comment till fait the 17th dès le 20 April 71 jusqu'au 17 avril 75. Besides those 10 people whom I released, the rest had been executed des 10 personnes que j'ai fait relâcher, toutes les autres tous les autres détenus Please, ont été soit tués, soit transférés ailleurs. Maître Sujinski, veuillez répondre brièvement yes no à ma question par oui ou par non, si yes cela est no. possible. Non, Monsieur le Président, je ne peux pas accepter Sorry, ça. Je ne peux pas accepter ça. Ma consoeur pose des questions, il y a des réponses, mais vous n'allez pas diriger les réponses. Vous dirigez vos questions, vous ne dirigez pas les réponses. Please continue with another question because the objection by the defense counsel is effective. L'objection de la défense est acceptée, dit le président. The staff in the staff recruitment for M13. Vous avez parlé de recrutement you told us du personnel yesterday you have had around 20 Vous avez dit staff members. Que ce personnel comptait environ 20 personnes. Can you tell us what was their age when they entered nous dire quel from était which age, l'âge, with, la fourchette old were d'âge they des personnes recrutées. The accused. Réponse. For the children who stayed with me until they went to S21, mostly were les enfants qui 15 or 16 years old, que j'ai recrutés avaient environ 15-16 ans, en tout cas moins de 18 ans. Je parle ici de ceux que j'ai emmenés ensuite à S21. Which was question. The youngest age. Quel était l'âge du plus jeune? The accused. Réponse. The youngest one was my messenger, Kamrat Chen. Les plus jeunes étaient les messagers. When he went to stay with me, he was 12 il or 13 years old. Il avait 12 ou 13 ans quand il a été recruté. Girls as well. Question. Et pour ce qui est des filles? The accused. Réponse. There was one female staff, one old woman senior staff. Une femme who âgée was the wife of KW08. C'était la femme de KW08. How many of your staff members did you recruit yourself? Question. Combien de membres du personnel avez-vous recruté vous-même? The accused. Réponse. Let me yesterday I already informed J'ai your déjà dit hier that I recruited all the M13 staff. If I did not happy, que j'ai recruté even le happy, personnel de M13. Quand je n'étais pas satisfait de leur de ces My services, je les renvoyais dans leur village. Question. How many Ma question était différente. Je your vous ai demandé combien de membres du personnel de M13 vous avez recruté vous-même, personnellement. The accused. Réponse. All the staff of M13 office were recruited by myself. C'est moi qui ai recruté tous les membres du personnel. Personally de and directly. Question, elle n'a pas été entendue. The accused. Réponse. We couldn't do any work alone. It had to be to work with the committees at the district or sub-district levels, and it's under the agreement with the zone committee. En accord but avec the le comité initiative de zone, to recruit the staff is mine. L'initiative de recruter du personnel venait de moi. Did you tell Question. These minors, Avez-vous children, dit à ces enfants, ces mineurs, what
work they will do. Le genre de travail qu'ils allaient faire. M13. He accused. I think I already responded to this question already with your honors. They were brought in to guard. Only les enfants étaient recrutés pour travailler comme garde, à l'exception so mostly they guard and do the production. Personnes recrutées. Donc, and those who are capable, who were capable, I asked them to interrogate. Pour ceux qui étaient capables aussi, je leur demandais de And only one person of mine who was my messenger. Veuillez écouter ma question. I have asked you, what did you tell them when you, for example, went into the villages and tried to recruit or recruited staff when you spoke for the first time with them? Travailler pour M13, lorsque vous leur parliez pour la première fois in the recruitment process, dans ce processus de recrutement, qu'est-ce que vous disiez alors aux enfants? Que leur disiez-vous du travail qui les attendait à M13? The accused. Réponse. Yesterday, I reported to your honors that if I wanted to have additional staff, I would hier, ask my assistant si staff myself if anyone was good. And si then I got the report back from them. After je, I surveyed, rapport, then I seek opinion from the upper echelon. And then I would ask my staff again. Après quoi, je demandais une nouvelle fois à mes assistants. So I submitted a request to my upper echelon faire first. Le nécessaire. Mais donc je présentais d'abord un rapport à mes Excuse supérieurs. Me, don't you understand my questions? Je crois que vous n'avez pas compris ma question. Get any answer which is related parce to my questions, and therefore réponse, I have doubts. Donnez, I don't know what question, is it's pas a translation problem or whatever. Ma question, or if you don't like to respond, then tell it frankly. Évitez-vous then I cette question. Peut-être que vous ne voulez pas répondre à cette question. Auquel cas, je préfère que vous me le disiez. You already know that I want to answer. Vous savez do not très bien object, que je veux répondre aux questions. But probably you do not understand my response. I already said I did not personally go to contact those people first. Je n'allais pas personnellement voir that is the important les gens point qui étaient recrutés. Voilà qui est important. Did you question. Tell them that they will est-ce work que vous leur disiez qu'ils allaient travailler dans un centre d'exécution? The accused. Réponse. We recruited them from the district or sub-district committees, then we would order them to work. We did not use the word killing office. Et puis, it was travailler. The duty nous of the Communist Party of Cambodia. Centre d'exécution. I could not say such a word. C'est un centre qui travaillait pour le parti, pour le Cambodia. Although on the killing le mot office was the concept même of si the present understanding. Aujourd'hui, on comprend que c'était un centre d'exécution. Il n'y avait pas de loi régissant ce genre de centre, mais ça ne s'appelait pas centre d'exécution. C'était un centre au service de la révolution. Et servir la révolution à l'époque, cela voulait dire éventuellement exécuter des gens. Question. Education for the children. Est-ce qu'il y avait un enseignement qui était dispensé aux enfants? Quel genre d'appui apportez-vous aux enfants et à leur famille? The materials, let me tell you, at the time, probably there were still some revolutionary people. À l'époque, they only received 15 reals per month. On versait 15 riels par mois. Tobacco. And those who did not smoke, they would sell for their haircut, for instance. Pour, and then there's some miscellaneous clothing, for example. Choses, there was nothing special. Ou pour we se faire couper les cheveux. Eat what we ate, what we spécial could find together. And that's what happened. So I did not promise what these sort of things to them. Rien what, de about the spécial. Education.
au personnel et pour ce qui est de leur éducation, j'avais pour obligation de leur enseigner la ligne du parti. How many of your children staff run away? Combien d'enfants parmi les membres du personnel se sont enfuis durant toute cette période de 71 à 75? The accused. Réponse. Let me tell you, those who escaped, they could not escape. On ne pouvait pas s'enfuir. Intending them to return. Sauf si moi je leur donnais l'ordre de rentrer dans leur village, auquel cas ils partaient. Today, I think you would see one or two people, et aujourd'hui, the KW 30 il y a and 32, deux personnes, notamment KW 30 et KW 32, que j'ai laissé rentrer dans leur village avant la date du 17 avril 75. Am I right that you want question. To say that nobody êtes-vous ran away? De dire que personne ne s'est enfui durant, from your staff. Je parle ici des membres du personnel, durant ces quatre années. The accused. Réponse. Let me emphasize clearly to you that oui, je the l'ai dit, organizing structure of the Khmer la structure organisationnelle was clear, des Khmer Rouges the structure was even at était district or claire levels, au niveau des districts et so sous-districts également, et personne à l'époque ne pouvait s'échapper. Et si quelqu'un osait fuir le centre M13 sans mon autorisation, j'en aurais rendu compte aux supérieurs et les autorités so, de district et de sous-district auraient retrouvé l'intéressé. Donc but non, if personne I ne s'est enfui. For them to leave, yes, mais it happened. Des autorisations de rentrer dans le village, oui, j'en ai donné. Besides of Pal, question. En dehors de Pal, punished, qui a été sanctionné, what happened to the other staff members? Qu'est-il arrivé aux autres membres du personnel? Vous est-il arrivé de les punir? The accused. Réponse. Paul was not only punished, but the upper echelon ordered them, n'a pas seulement été sanctionné, arrest, to ce sont mes supérieurs qui m'ont donné l'ordre de l'arrêter, de l'interroger so et de say, liquider. Donc besides Paul le at sanctionné A, est un peu vague. Nobody else à part lui, personne n'a été arrêté ou exécuté sur les ordres there de mes supérieurs. Who was punished at office il y a M13B, un cas de sanction au M13B, il s'agissait d'un certain P. Am I right? Only Pal from M13A question. Was punished. Donc seul Pal from the à M13A parmi les membres du personnel a été puni. The accused. Réponse. Oui, effectivement. The interpreter could not hear the accused. The accused. The accused. Okay. The one who decided to order the arrest accusé. Or smash, celui qui the only one d'arrêter. Who was from that order was Paul. And that's the former seul torture that you talked about. D'une instruction d'arrestation et de liquidation a été Paul. When you trained question. Your staff in M13. Lorsque vous formiez did you votre tell personnel them à M13, that est-ce que people vous can plant disiez thousands of potatoes or 5,200 que les gens cassava trees planter des milliers de pommes and de that terre killing ou des two people de plants de manioc a day et qu'il était possible a great de, deal for them? Que ce n'était pas beaucoup demandé que de tuer des dizaines de personnes par jour. Est-ce que vous avez donné ce genre goods? De directive à votre personnel. The accused. Khmer Sombanjia. Let me clarify this to you. Réponse.
At that time, there was no plantation, no private plantation, or to receive the products as a personal produce. It was collective. Toute culture était collective et toute distribution du produit de ces cultures était également collective. About the two people you talk, who were killed, I did not understand you. I did not know whom you were talking about. Concernant le nombre de personnes à tuer, je n'ai pas bien compris. My question is, did you encourage? Je répète ma question. Est-ce que vous avez encouragé les enfants à tuer two people per au moins deux personnes par jour? When you said only to give an example, people can plant hundreds of plants or potatoes or whatever. Que, and then killing bien only two people is not a big deal for them. That was the question. Par conséquent, tuer deux personnes par jour n'est pas grand chose. The accused. Réponse. Let me tell you honestly. I never en toute honnêteté, je n'ai jamais fait ce genre de comparaison. Faire pousser des légumes, ça faisait partie des activités révolutionnaires. Taking enemies to be smashed, et liquider let des me ennemis. Use the wordings used by the CPK at the time. When the party il faut le resituer dans la phraseologie du PCK à l'époque. Quand un parti, le parti donnait un ordre, il fallait exécuter l'ordre. Et donc, je donnais des ordres à mes subordonnés en fonction de la situation and according to the universal declaration of human rights, au vu des droits de l'homme tels qu'on les connaît aujourd'hui, sont un des crimes. Il s'agit donc de deux perspectives historiques en contradiction. À l'époque, j'étais leur commandant. Aujourd'hui, je m'incline devant les CETC. Mais à l'époque, j'étais dirigeant. Maître Stujinski interrompt. Je vous prie de répondre à la question précise que j'ai posée. Monsieur le Président, est-ce que vous pourriez demander à ma consoeur de s'adresser avec un peu plus de respect à l'accusé, s'il vous plaît? Le Président. Please prepare your wordings and your attitude appropriate in order to put a proper question to the accused. Je vous invite à poser vos questions de manière appropriée à l'accusé, que ce soit and this is in order to facilitate the par smooth les termes que vous employez of the trial. Ou par la façon dont vous les présentez, ceci pour la bonne conduite du procès. I only wanted to remind you to Maître Stujinski, je demande simplement à l'accusé de répondre de façon concise et précise à mes questions. Am I right? And did I understand from yesterday that you told the court hier, vous avez déclaré that you assigned the smashing two peasant children que vous affectiez l'élimination des détenus aux enfants paysans. The accused. Réponse. Vous parlez de quels enfants? Vous parlez de deux enfants. Est-ce que vous pouvez préciser votre propos, s'il vous plaît? I hate more guards than these than the two, whom I assigned to carry out their duties. Ce que je voulais, from what I record, I mean except the two children. Affecté, so please, can you check whether this is a translation issue? But in general, there were more than 10 guards whom I assigned their duties. Mais en fait, il n'y avait pas deux personnes, mais 10 gardes auxquels j'avais ordonné de can you confirm that you réaliser ces tâches. This duty question, to smash Stujinski. To est-ce your, que vous pouvez children, confirmer que vous avez assigné is this right? ces missions, ces tâches
à des enfants, à votre personnel d'âge mineur. This is the issue that real that happens like the Malaya mountains that you can see, like in form the chamber. I assign the children to smash people. That is the fact. À laquelle j'ai déjà répondu. Then, j'ai like effectivement, to know, et c'est un fait, right. assigné ces enfants à cette tâche. The first et donc, time est-ce que vous avez, observé la première fois que vous les avez affectés à l'élimination d'un détenu, est-ce que vous les avez regardés faire la première fois? The accused. Réponse. I informed the chambers already. J'ai déjà déclaré and devant even outside la chambre, the chamber, I also talked about that I did not go and observe. Je l'ai déjà dit que je n'allais pas I ordered them to carry out les their regarder. Duties. Je leur ordonnais that was based on de, the orders from my superior. I did not go and witness de respecter it. Les ordres, mais je n'ai pas été témoin oculaire. Were you informed? Question. If they were for the first time killing somebody, est-ce if they vous were reluctant, du moment où ils éliminaient quelqu'un pour la première fois, est-ce qu'ils étaient réticents? Réponse. Reluctance or not, I am not sure. Qu'ils soient réticents ou non, qu'ils étaient réticents ou non, je n'en suis pas sûr. Mais learned that one of my staff, Comrade Pond, reported to me that Comrade Miss personnel, Comrade smashed Pond, m'a dit qu'un autre camarade by avait using by swinging his leg. That's the information I received from my subordinate about the smashing. Détenu en donnant, en assénant un coup. And your answer et c'est ce que j'ai appris ultérieurement. To be clear about this, question, you will tell exact. Us that you never witnessed. Ce que vous nous avez dit, c'est-à-dire que vous n'avez jamais été témoin oculaire d'une exécution, d'une élimination réalisée à M13, qui se, ces éliminations, ces exécutions se déroulaient à une centaine de mètres de l'endroit où vous étiez. C'est bien ce que vous êtes en train de nous dire. Réponse. Let me tell you the lawyer that Om Liang was not as clean or as empty as Phnom Penh. It was forest. So 5 meters from the detention or 10 meters from the detention, you cannot see anything but the forest. You cannot see people. Comme ici à Phnom Penh. Ici, nous étions dans une zone de forêt et 100 mètres, à 100 mètres de distance, on ne pouvait rien voir puisque nous étions en forêt. Donc, vous voyez, et en plus de ça, on était un petit peu plus loin. Entre le campement et le camp et le site d'exécution. Donc, votre réponse, c'est bien oui. L'accusé. It is true because I need oui, not go and witness even parce if it was less than 100 meters. Parce que je n'ai pas été témoin oculaire et même si on était à moins de 100 mètres, je ne pouvais pas voir. And I would like to know maybe question. That you have alors, said rapport it yesterday voulais, que vous or précisez, before yesterday, vous l'avez peut-être dit hier ou avant-hier. Translation problems, peut-être qu'il y a eu des problèmes like de traduction, mais je voulais simplement question, vous poser la question suivante. How many prisoners were in à savoir combien de détenus in en moyenne y avait-il à M13? The accused. Réponse. The accused. At M13A, à M13A, after 30 prisoners escaped, we never had any prisoners détenus, more than 10 of them at nous the time. N'avons pas eu plus you de 10 prisonniers average, à la fois. I know en this moyenne. Event, 30 prisoners escaped question, alors, in one day, moyenne, but and then you had in average 10 prisoners every journée, en une fois. In your prison. Vous êtes en train de dire que vous n'aviez right? pas plus de 10 détenus à la fois dans votre camp. The accused. Réponse. Said you could
Je viens de déclarer que there were two stages. Before the prisoners escaped, we sent the prisoners to do the farming. And after that, we never kept more than 10 prisoners. After they interrogated and we asked for opinions, then they were sent to be smashed. So there were no more than 10 prisoners at the time. Et ensuite, nous, and can you clarify when this happens that the 30 prisoners escaped? À tout moment. Donc, vous êtes en train de me dire la question après l'évasion des 30 détenus, c'est ça? Réponse. It was in 1972. C'était, cela s'est passé en 1972. I apologize. It could be in late 72 or early, but the location 72. Was there. Was that location? It was at a location near Peace Mountain called Tulswaimir in Amliang sub-district, district d'Amliang. Kampong Speu province. Donc, sous-district de Po, Kampong Speu, province de Kampong Speu. And yesterday you said, hier, vous avez in average, every day, moyenne, you received, or every 10 days, you received, every 10 days around, you received one prisoner, one new prisoner. De, alors, d'un nouveau détenu, c'est bien ça? The accused. Let me clarify to you that permettez-moi de préciser the prisoners coming in was not the plan that we could decide. Non, eh bien, ce ne dépendait pas d'un plan sur d'un it came plan upon par rapport when nous they pouvions were sent avoir to un pouvoir décisionnel. Occasionally, one or two et or three prisoners came. Occasionnellement, peut-être that's un, deux, trois prisonniers arrivaient. Did you group? These prisoners. Avez-vous regroupé les détenus en catégories? The accused. Réponse. What categories you want me to talk about? Vous voulez que je parle de quelle catégorie? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? For example, light. Offenders. Question par exemple des délinquants. Serious offenders. For example, mineurs. Cadres. Pour des actes mineurs ou plus graves ou alors des whatever. Soldats ou quoi que ce only soit. To give you examples, c'est simplement pour vous donner des exemples un petit peu. C'est ce que je veux dire par le terme catégorie. The accused. Let me clarify that. Those who were detained at M13, ceux qui étaient détenus à M13, the only two of them were special. The TC1 had their own sleeping place. Alors, and later on, there were two prisoners who were special. One cadre from Hanoi, il y avait également un cadre d'Hanoi, Pratput, he's a deputy qui était. He's a deputy battalion who was charged for killing his own commander, battalion, and they had their own proper place. And another one is Song Ha-hun, who was a member of Sector 33, qui était un membre du secteur in the Southwest Zone. 33 dans la zone there was a separate special for these two et prisoners. Donc, they had a mosquito and a proper sleeping place. Spéciaux. Ils disposaient de leur propre moustiquaire, de leur propre endroit de dormir, et ils ne dormaient pas où les gardes se trouvaient. Est-ce que je comprends bien ce que vous êtes en train de dire? Question. Et les autres, cela veut dire que les autres prisonniers were treated equally and therefore can be considered as one group. Et pouvait être considéré comme faisant partie d'un groupe, the accused. D'un seul groupe. All prisoners, let me clarify to you. Permettez-moi de préciser. The light prisoners would not be brought to M13A. They would be moved to M13B only for serious prisoners who whose confessions were needed. They were sent to M13A, so they were not light prisoners. Qui avaient commis des actes plus graves étaient envoyés
ou arrivés à M13A. Donc on ne parlait pas ici de délinquants d'actes ou d'auteurs d'actes mineurs. Light prisoners, light offenses. Pour les actes M13A before they were transferred to M13B. Est-ce que les auteurs d'actes moins graves étaient d'abord envoyés à M13A avant d'être transférés sur M13B? The accused. Réponse. You ask me this question, it means you do not have a grasp of the situation. Si vous me posez cette question, c'est que vous ne comprenez pas bien ce qu'était la situation. Permettez-moi d'élaborer un petit peu, de manière à pouvoir vous aider à comprendre quelle était la situation à l'époque. Can you, it would be sufficient for me to have an average ça me suffirait d'avoir une time frame, how long they stayed. De leur durée de leur séjour, c'est-à-dire pour le transfert, c'est-à-dire de combien de temps était-il pendant combien de temps était-il en transit? Réponse. C'est ce que je viens de dire. Vous ne comprenez pas bien quelle était la situation à l'époque. Il n'y avait pas de prisonniers transférés de M13A à M13B. C'est ce que j'ai déclaré très clairement hier. Once the M13B was when the M13A was created, they were sent there. Créé, les détenus y étaient and envoyés. There was no prisoners sent from M13A to M13B. There was no transit. Été envoyé de M13A à M13B. Il n'y avait pas de transfert de prisonniers. Period for the M13B before they were released at the M13B was the decision of the sub-district committee. Ceci relevait de la décision du sous-comité. Whether du they had to be detained for alors, half a month or months, that was their decision. Depending on the situation mois, at the time. Bien, cela relevait simplement de la situation des personnes concernées à M13B. Telle était la situation à l'époque. Question. Torture, punishment methods. Par rapport aux tortures et aux différentes méthodes de sanctions. I would like to know je voudrais if breasts of female prisoners were burned si des, as a method of de, punishment femmes détenues, or and torture. Des seins de femmes détenues ont été brûlés dans le cadre de torture. The accused. Réponse. Let me clarify to you that only I was the interrogator for female prisoners, so I never saw any breasts of any female prisoner. If I did not even see their breasts, how could I put the torch onto their breasts? Comment, si je ne voyais pas leur poitrine de toute façon, comment est-ce que je pouvais pratiquer la torture sur leur poitrine? Did it happen or was it a method? Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé? Est-ce que cela faisait partie des to insert des méthodes? Things like, for example. Example, alors consistant par exemple d'insérer une torche ou d'autres objets dans l'anus des prisonniers. The accused. Réponse. Are you talking about the M13 or parlez-vous S21? De M13 ou de S21? Pouvez-vous préciser? It did not happen at réponse. M13. Cela ne s'est pas it passé happened à M13. Only at S21. Cela n'est survenu qu'à S21. Were prisoners in M13 stripped of their clothes? Est-ce qu'à M13, les ont demandé aux détenus d'enlever leurs habits? Accused. Réponse. For the male prisoners, whether they were stripped or not, it's up to them. But they were never be naked because there were also female prisoners. And for the female prisoners, none were stripped. Détenues, donc, but they did change clothes for when they went for bath. Bien, elles, lorsqu'elles allaient se laver, eh bien, elles changeaient d'habit. The time is almost run over for your group, Monsieur so please le try to make it quickly. Il est temps de conclure votre votre série de questions. Mr. President, il nous reste if you allow that we can share instants. Among us the time. Maître Sulinski poursuit. To take permettez-nous the whole of 1 hour and to share it among de partager. Ces 60 minutes qui nous étaient imparties okay. Entre nous autres, donc avocats des différents groupes des parties civiles. The president, le président.
Between which group and which group? Entre quel groupe et quel groupe? Because vous you already consumed 40 minutes already, 45 minutes already. You only have 15 minutes left for the civil party lawyers. Because each group has 30 minutes. 10 minutes pour les autres groupes, puisqu'il reste encore deux groupes. Donc, the president. So you should obey to the time limit. Donc vous devez vous conformer, respecter la limite du temps du scrutin parti. I would like to share it with group 4. Alors j'aimerais partager ce temps avec le groupe 4. Recall that I started with my questions according to this clock there. Pendule, 9:10 and not at 9 o'clock. Non pas à 9h, mais à 9h10. Donc j'aimerais poursuivre. Were pliers used to remove fingernails? Est-ce que des tenailles ont été utilisées pour arracher les ongles? Reported to the co-prosecutors. No. Déclaré au procureur qu'une telle méthode n'a pas été pratiquée à M13. Monsieur le Président, je vais à nouveau intervenir. Je suis désolé. On a demandé, vous avez demandé de ne pas répéter les mêmes questions. Nous en sommes à peu près à 10 questions auxquelles l'accusé a dit « j'ai déjà répondu ». Apologies, Your Honor. We have been instructed not to have the same questions asked several times. It seems that for certain points... The President, please, can you say again, because the Khmer interpreters cannot hear the English channel. L'interprète Roo, could you please speak again n'a pas pu reprendre so that the other interpreters on du canal anglais. Can translate? Merci, Monsieur le Président. Je disais donc... La Chambre a rappelé ce matin aux parties civiles de ne pas poser des questions qui avaient déjà été posées précédemment. J'observe que pour au moins 10 questions posées par ma consœur, l'accusé a répondu, j'ai déjà répondu à Monsieur le juge Lavergne, ou bien j'ai déjà répondu à Monsieur le procureur, ou bien j'ai déjà répondu à la Chambre, au moins à 10 reprises. Est-ce qu'on pourrait demander aux parties civiles de ne pas reposer sans cesse les mêmes questions? Thank you. President, can I remind the lawyer? The chamber also noticed the same thing. Please ask questions. Déclare Monsieur le Président. Déclare le Président. Remarque la même not chose. Yet been asked. Donc effectivement, il y a posé des questions qui n'ont pas encore été posées. Because the accused already responded to questions raised by the chamber and by the relevant parties, and do not repeat those questions. Et ne souhaite pas répéter les mêmes réponses. I come now to killing methods. J'en viens maintenant aux méthodes d'exécution. Did you hear prisoners screaming? Avez-vous entendu les cris des prisonniers? While they were tortured, lorsque ceux-ci subissaient la torture, and or before they were killed, avant d'être éliminés. The accused. Réponse. Not only I who was there. For those who non seulement j'étais there, là pour ceux qui étaient là, the prisoners, because on they were hit with a bamboo clap at the base of their neck. Prisonniers, car on leur assénait un coup avec un bout de bambou et on frappait les prisonniers. Complete the answer because I referred the screaming of possible screaming of the prisoners also to torture. Alors, and maybe before they were killed, of course. Alors, les cris portent bien sûr sur le moment où les prisonniers étaient torturés et avant qu'ils soient éliminés. Donc, est-ce que vous avez entendu des cris des prisonniers
à ces moments-là? No, the accused. No, I did Réponse, not hear. Non, I did not hear anything pas, at all. Je n'ai absolument rien entendu. Were throats of prisoners cut? Les prisonniers étaient-ils égorgés de manière à ce que le sang éclabousse? The accused, no. Réponse, non. I come now to Pearl. I would like to know how did you get knowledge Question. Of the moral offense that Pearl allegedly had committed. Alors, par how rapport did you get the knowledge à l'inconduite morale de Pearl, comment est-ce que vous en avez entendu parler? The accused. Réponse. Pearl committed immoral offense. Pearl s'est rendu coupable d'inconduite at the M13B office in the position as the deputy chief of that office. He had immoral offense with I don't call that woman a prisoner, but she was there, she was beautiful. Une femme détenue, there were two of them, Comrade P and Comrade Paul, but Comrade Paul's secret was revealed and he was transferred. And then Comrade P was also implicated. So that secret was revealed and broke out entirely at the M13B, and the superior acknowledged what happened, and I also was aware of the event. M13B était au courant de l'affaire, et donc j'ai par la suite été informé de cette histoire. Can you clarify what kind of moral offense he was charged with? D'inconduite morale il a été accusé. The accused. The language or my language or the language of the CPK was langage, it's sexual immoral offense. Eh bien, qualifier sa conduite d'inconduite immorale. Alors, quelle que soit la phraséologie que vous avez utilisée, c'est à vous voir. What is behind this Question. Word, what it means, okay. This term. Qu'est-ce qui est derrière ce mot-là? Qu'est-ce que cela veut dire, ce mot inconduite, immorale? The accused. Réponse. In the case of Comrade Paul, dans le cas du camarade the superior Paul, knew the superior made decision and transferred him out of M13B to another unit. De M13B and une autre for Comrade unité. P. Pour ce qui est du camarade Pi, les supérieurs étaient au courant him to join the youth league. I already informed the chamber about this event yesterday. À se joindre à la ligue de la jeunesse. C'est ce que j'ai déclaré hier à la chambre. I try it again. Je vais réessayer de Can poser you specify ma question. Pouvez-vous what moral offense meant in this case with Paul, what has he done? Je veux dire, qu'est-ce qu'il avait fait, Paul? Qu'est-ce qu'il avait fait très concrètement, Paul? The accused. Réponse. In the Cambodian tradition, tradition, selon la tradition cambodgienne, as well as in the revolutionary rank, dans les rangs révolutionnaires, people had sexual affairs without being married, that's called immoral offense. Alors des inconduites within the rank, if the onka did not marry them, then and if they had sex, that's they committed an immoral offense. Extramarital. And after they get married, and if they had sex, that's their own affair, their own et avait des rapports sexuels, eh bien, c'était considéré comme quelque chose d'immoral. Après le mariage, c'est autre chose. Mais avoir des rapports sexuels avant, avoir une histoire avec quelqu'un, effectivement, c'était ce qu'on appelait, ce qu'on pouvait qualifier d'inconduite morale. Sexual intercourse. Alors, est-ce que l'on parle ici de rapports sexuels consentis, non consentis?
question. C'était la question. The accused. L'accusé. For the rape on a woman that was serious. Pour ce qui est du viol. If it was consensual, femme, that would be light offense in the case of Camera Paul and that woman. That would be called a moderate. Paul, but if he did rape, then he would be cuffed immediately. That was the implementation at the time. D'un viol, eh bien, c'était ici un acte grave. You mentioned yesterday meetings Question. For self-criticism. Hier, vous avez évoqué des réunions d'autocritique. Who participated in these meetings in M13? Participé à ces réunions à M13. The accused. Réponse. The criticism and self-criticism was done within its framework. Critique, eh bien, c'était quelque chose I, the candidate, qui, I did it within the party's branch. Chaque for my group, when we held a meeting branche, at the party's branch, there were four of us lorsque nous from the beginning. De telle séance, the chairman groupe, of Office 305, et donc, Ruchito, alias Thier, Monsieur Ruchito, alias Thier, the Office of 307 chairman, le bureau du président Pausset, de alias secteur 307, Sion Pusset, alias NIT, office M13A, Kaif alias Dutch, and M13B, Ho Kim Eng, alias Sum. These were the four members who held meetings on a fortnightly basis. Personnes qui se retrouvaient toutes les deux semaines. And then, were there also meetings y avait-il only among staff, you and staff of the of M13A? Meetings concerning self-criticism. B ou M13 et M13A, par rapport donc toujours dans ces réunions d'autocritique. I just inform you that for réponse, the party's livelihood meetings, there was Ho Kim Eng, alias Sum, and Kang Gek Eve in that meeting. Alias, et, therefore, alias, your question is repeated. Dénommé Sum dans ces réunions. Donc, je ne veux pas répéter ma réponse. Were these meetings held at night? Question. Ces réunions se déroulaient-elles le soir? The accused, all the meetings were held during the day, from morning till afternoon. Se déroulaient en journée, du matin jusqu'à l'après-midi. Did they Question. Last a whole day, ces réunions those meetings? Déroulait-elle sur toute une journée? The accused, I just informed you, it started from the morning until the afternoon till it was one whole day, and it's a repeated question. Commencer donc le matin jusqu'à l'après-midi. I'm sorry, in the English translation, I have never heard that you described how long it lasted, and then I'm sorry if you told this already yesterday or before yesterday. Quelle était la durée de ces réunions? Vous l'avez peut-être déclaré hier, j'en suis désolé. Can you please tell entendu avant. Us pouvez-vous what nous dire was it what you personally criticized ce que vous and même vous critiquiez, ce sur quoi portez votre was critique it what you when you criticized yourself et lorsque which vous procédiez à une autocritique. Quels étaient les points qui étaient au centre de votre réflexion? Est-ce que cela a touché votre relation entre vous et les autres? The accused. I would like to tell you that from the beginning. If you listen, please listen carefully to what I'm about to say. Veuillez écouter attentivement. Les réunions had the following agenda. Avec l'ordre du jour suivant. First, about the previous work. Un, on parlait
du travail to report about the previous work achievement. Déjà second, fait. C'était le premier point. To deux, examine the previous work for bad or good quality. On examinait ce qui était bon et ou mauvais dans le travail accompli jusque-là. At the same troisième time, point, we have to self-criticize. On faisait son autocritique. To reflect us as the people why we produce such bad quality and not to make the work progressive. Mal travaillé, so after we put ourselves into such situation, then we would receive criticism from the other meeting members. Then they would say, okay, you would make a mistake at this point or that et point, disait, and this is the areas that you need to improve. Ceci, mal fait cela, so that's called criticism from donc, others. Autocritique d'abord, and after critique. The criticism et from everyone, les critiques let me just de continue. Tout le monde, so after the criticism was finished, then the branch chairman would sum up. Le président. Then for us to make our impression on the 15 days period that we have done. Et on faisait donc therefore, le bilan des 15 the last three jours or four years, écoulés. It was held every fortnight. Ce système de so réunion. Then, it's hard for me to sum up my criticism or self-criticism in a few words. Et il est très difficile de vous dire en quelques mots sur quoi on peut porter mon autocritique ou les critiques. Question. Est-ce que vous pouvez nous donner ne fût-ce qu'un exemple? What did you criticize? De ce que vous avez critiqué. Or when you criticize yourself, can you tell us one example? Ou de ce que vous avez dit. Dans le cadre de votre meeting. Autocritique. Pouvez-vous nous donner un exemple d'une chose que vous ayez dite à une de ces séances? The accused. Réponse. During a self-criticism, usually I talked about. En général, quand je faisais mon autocritique. During the 15 days period. Je parlais I achieved, de ce que j'avais and why did I achieve it? Réussi à faire. The reason because I studied the line and I et understood the line and I implemented the line with la responsibility. That was about my good quality. And when I talked about my bad quality during that time, what I lacked of, et quand je parlais de ce que j'avais mal fait, personally, je disais ce que j'avais. I probably did not pay attention to educating exemple, those people. Why they allowed the people to escape? À so I had to raise a measure to improve, to educate the combatants, the cadres, to understand better. Et je devais donc faire mieux pour que les cadres et les combattants travaillent mieux eux-mêmes. The president, the civil lawyer, the civil party lawyer for group 2 or and the civil party lawyer for group 4 if you don't have any question to ask and allow the whole time to the civil party lawyers in group 2 du groupe 4 the civil party lawyer group 4 au I have about 10 2. Questions your honor group 4 the j'ai president. À peu près 10 questions à poser monsieur le président so it, now the le time président, is over for the civil party lawyer group 2 que le groupe and I give the floor now to the civil party lawyer group 4 à l'avocat du groupe 4 depuis crompi oh pel hai jeung me devi the president so the civil party lawyer group 2 your time is up and now the time is for the civil party lawyer group 4 please do not repeat the same groupe 4, questions vous avez la parole et and je vous invite à ne pas répéter les questions the answers déjà posées. Or the accused is already clear do not ask the same thing si unless you need to clarify the claire, points which are not clear la question, sauf s'il y a imprécision dans la réponse the lawyer thank you Mr. President your honors Groupe 4. Oui, merci, M. le Président. I am representing the group 4 with Pierre-Louis Bizou as my colleague. Groupe 4, mon confrère et maître as my international colleague. Sûr, comme avocat étranger. With your honor's leave, if the translation might not make it clear, let me clarify it.
in order to avoid being interrupted from Your Honor for repeating the same questions. Let me ask to Mr. Kangayev alias Doge. From what I have heard, you stated that. Monsieur, vous avez dit. You stated regarding the decision for the recruitment of the young children as your staff, it was done through the hierarchical structure, through the village and sub-district committee. But you did not do it yourself or make your own decision because it's illegal. Is that correct? Pas vous-même parce que c'était illégal. Est-ce exact? Réponse. The accused. Yes, we are as Khmer people, it's easier to understand. Oui, for example, if I want to have a staff and si the quality is a good class, et s'il y good avait morality, que l'on pouvait recruter, and qui avait honest parents, et, des, whom lives among those village or sub-district committee, recommandés par le comité so de, when I de was district, satisfied with it, nous then I would put a request to the zone committee. De cette, once the zone approved, it would come down to the sector. The sectors come down to the village or sub-district committee, and that would relate to me. Secteur, le comité de secteur transmettait the au lawyer, thank you. Let me continue the question. Et que le processus regarding se faisait. The illegality. J'en reviens so à in between the 20th of July. De la chose. 71 entre, to the 17th April 1975, that was the period within the liberated zone. You were the chairman of office M13. During that period, they, I mean, the ANCA or whomever, we are not clear. At what level that authorized or what's the law for you to abide vos the instructions. I apologize. It was not réponse. The law. They used the word line or principle. On parlait not pas law. De loi ou d'instruction. The law, on parlait thank you. De so in ligne principle, can you explain question. Whether the principle donc, was clearly stated and in documents s'il y avait un document with point 1, 2, 3 that needs to be implemented? Ligne, point par point the accused, thank you. À appliquer. Réponse. The principles, let me clarify it. Je précise. For example, on certain issues. Only related to M13, says the lawyer. M13 was not independent. The principles that M13 had to abide by was the achievement was the property of ANCA. So all the achievement, all the war spoiled. It tout means what we get faire. From our enemy. Tout and what is the achievement? The weaponry. They all belong to ANCA. So we cannot keep them. Comme des armes, I clearly heard that, says the lawyer. Question. Oui, that's ça, what, that is the principle, says the accused. Réponse. I don't want et to ça, explain that to you, but that is the principle. And c'est it's a new principle. I only saw the document. But there were some old principles. It means the lower level had to respect the upper level, and the upper level had to respect the party. Inférieurs. So when I joined the parties, et I need to respect the party. Et understand that, says the lawyer. Cette ligne de parti. So the existing old principle oui, with in document, vieux, with instructions des to implement connus, in point 1, 2, 3, or it was verbal. Purement oraux, the principles, ou bien says the accused. Dans un document qui les énumérait point the par principles point. That I said réponse. That the lower level had to respect the upper level. Par l'échelon inférieur. It was in the party statute. Était thank you, dans says the lawyer. Du parti. Let me continue the question. Question. Merci. Je poursuis mes questions. Regarding the questioning or the interrogation of those who were sent to M13, you said it was related to all these principles and not law. So let me ask you, when you interrogated, because in the document, you were skillful in interrogation. Did you personally interrogate all male or female prisoners, or just only the female prisoners, as you have just stated?
hommes et femmes, ou seulement people, les femmes? Like I said, it was my responsibility says the accused. For example, des interrogatoires. TC one, and probably the TC one would be given et the testimony soon. Secondly, for the female prisoners, because I was afraid that the young interrogator would commit a moral offense. So I took the responsibility of interrogation. Third, whomever I thought needs to be released, donc je m'en chargeais moi-même. Then I would interrogate that person personally. So I would build up that case file for that person in order to ask for favor from the upper echelon for that person's release. Moi, je procède aussi à l'interrogatoire. Thank you, says the lawyer. Efficacement au sein so you said important people. Question. Merci. So, the upper echelon, you said, who were the upper echelon? Alors, were they the party, or the central committee, or the brothers that you used to call? De certains dirigeants the upper echelon, as I said, says the accused. My direct upper echelon, mon supérieur direct, who organized the security work at the special zone, was Von Vett from the beginning, brother Von Vett. Please talk about the surrounding areas around M13 office, says the lawyer. Question. There are two duties, says the accused. Like I talked to Ms. Stutzinski, the party's work was held in a meeting every fortnight. Nous avions une réunion du parti tous les 14 jours. And another one is the security affairs. Et une autre réunion qui était une réunion consacrée à la sécurité. So I will not say it in French. So it was a security affairs. It means to receive the people to be detained, to interrogate, to get a confessions and send it to the upper echelon. So it doesn't go through my branch chairman. So that was the security work of M13. It needs to be gone through two zones. For the special zones, I will report to Brother Von. Pour la zone spéciale, je rendais compte à Von Vett. For the southwest zone, pour la zone sud-ouest, to Brother C. Je rendais compte à C. And sometimes I reported to Brother Pak. Thank you, says the lawyer. Let me continue the questioning. Merci, je poursuis. What is the important point that you regarded a person as important point when the upper echelon sent it to you? Was it in writing? Whether he was, for example, a lone spy or inside the enemy, was it already stated, or it was up to you to make that decision? Qui accompagnait le prisonnier, ou est-ce que c'est vous qui deviez parvenir à une décision? The important people from the special zone, for example, it was clear. Pour les gens qui you put pressure on this person, on that person. Les instructions disaient, vous faites pression sur cette personne pour telle chose. For the southwest zone, et pour la zone sud-ouest, after I grasped the situation, I asked opinion from Brother C. J'ai consulté plutôt. So after I grasped the situation, I asked for his advice. Thank you, says the lawyer. Let me continue. J'ai demandé conseil. Merci. All the questionings that you regarded those people as enemy. Vous avez donc interrogé ces gens was qui étaient from considérés your comme des ennemis. Est-ce à votre propre initiative tough or light upon your discretion? Avez-vous le pouvoir de décider de la méthode d'interrogatoire? Réponse. When I see they filed, quand then je prenais connaissance du dossier, then I would ask accordingly. Si je souhaitais la libération, so in order to release, I would find je le disais, a way, a gap. Pour obtenir like in the case of Home Inn, probably you understand the situation. Home Inn came with five people, and I saw four would not have any chance to be released. Only Home Inn, because his father was a candidate member and was a party of the committee of Omlang sub-district, and he was poor, he was a humble person, so I arrested that person and seek opinion from Brother C for his release. So I tried to find the gap in order to release the prisoners. Thank you, says the lawyer. Let me continue the questioning. For every interrogation at M13A, there was no release from what you said, right? Before the people being smashed or killed, which is called today,
Did you hold a meeting with the committee of your upper echelon to make that decision? Ou vos supérieurs hiérarchiques avant de décider de l'exécution de l'accusé? I already talked about this to the judge. Hier, je l'ai déjà After the interrogation, I take the confessions to my boss. And if they satisfied, then and the person needs to be smashed, then I would follow the order. L'exécution de l'intéressé. Regarding to the decision, says the lawyer. Thank you. Question. For every meeting, you already explained the meeting, the differences, the different types of the meetings, the party meeting, or the other type of meeting. A prisoner escaped. Alors, que se passait-il quand un prisonnier s'échappait? They did rise farming, and the lawyer asked how many escaped, then 30 prisoners escaped. At that time, was any of the 30 escapees rearrested? Est-ce que les 30 détenus qui se sont évadés ont été repris? Says the accused. Réponse, aucun n'a été repris. Only the guards, some guards got wounded, for example, Comrade Pond. Let me ask you, says the lawyer, from the Peace Mountain, question. To the Udong or to Kampong Speu area, which is the longest distance? I do not know, says the accused. Like I responded to Mr. Panet yesterday, from Udong to Chabamon, I do not know the distance. Nor from Omlang to Chabamon, nor from Omlang to Udong. That's what I said to Kamsun yesterday. I did not ask for exact kilometer, but I want to know which one is further. In practice, for those 30 people who escaped, says the accused, they went toward the Chabamon direction. C'est 30 personnes qui se sont évacuées au pied de la direction de Chabamon. Question, merci. The camp or the Peace Mountain where the prisoners escaped and the M13 location where they were detained, dont les prisonniers se sont échappés. When we talk about the distance from the M13 to the Lonol area, was it closer than to the Peace Mountain or was it further? I mean from Phnom Penh, from Peace to M13 and to Chabamon. These two locations comparing to M13, which one is closer to Kampong Speu or to Udong area? Let me clarify to you, says the accused. The Peace Mountain, or what I call that exact location, is called Tul Swai Mi or Ta Liu. What's the location of Office M13? So it is at the base of the Peace Mountain, or on a hill called Tul Swai Mi or Ta Liu. Thank you, says the lawyer. My last question to you is, question. You used to say in your statement that when you say, if you had an intention not to do the police security work, au départ, vous n'aviez pas l'intention because the smashing was involved, for example, the questioning of the questioning or the interrogation of the prisoner was also inappropriate, and you would want to move yourself to the Lonol area, but because it was further and because you would be fearful that you were recognized, could you highlight or enlighten us on this particular matter? Si vous let me clarify, says the accused. Réponse. I would want you to read my statement again. I want to remove myself from that police office, but I could not have the ability to escape or run away from it. That's the reason. So it was clear yesterday, the co-prosecutors asked me, or whether the judge, I'm not sure, whether if you have a permit to travel. On m'a posé la question du when I work within the southwest zone, I have my own permit. Pour me déplacer dans la zone sud-ouest, and when I was at a special zone, I had my own permit for traveling. J'avais aussi un laissez-passer and practically yesterday, Judge Lavange asked me when I was talking. Le juge Lavergne m'a demandé hier when I understood about the Lonol's regime, about my mom went to ask for my release from the Lonol. Ce qui s'était passé. Happened. Yes, we heard that, says the lawyer. Let me ask another question. Auprès des autorités de Lonol. Before the M13s closed down, from the documents I read, when you provided the interview to the co-prosecutors, some people were sent for smashing and some were sent to Sector 25. Certains étaient venaient du Sector 25. Any prisoners whom you regard as enemy?
transferred to S21? No, est-ce says que the des accused. Prisonniers de M13 None was transferred from M13 réponse. To non, S21. Personne n'a été transféré M13 de M13 finished à S21. On the 30 of April. Say thank you, the M13 president, says a été fermé lawyer. En avril 75. Avocat des parties civiles, je vous remercie. The president. Le président. Next, I would give the floor to the defense counsel. Je donne maintenant la parole aux avocats de la défense. If you have any questions to ask Est-ce the accused regarding the facts at M13, if you have, the floor is yours. La défense, je vous en prie. I would like you to confirm. In M13, do you have the right to arrest anyone? Est-ce que vous aviez le droit à detain in M13? D'arrêter qui que ce soit. Talking about the right to arrest. Pour ce qui est du droit no, d'arrêter I had quelqu'un. To follow non. The three principles issued by Von Wett. M13 could only wait to receive the people who were arrested. This is rule number one. Second, comrade, you should not touch any equipment from the ANCA. And number three, please be away from the children or the girl in the village. De ne pas toucher aux enfants ou had filles followed du village. J'ai donc appliqué ces trois principes et c'est today. Pourquoi j'ai survécu. Question je number suis ici two. When you were the La chief défense. Of Deuxième M13, question. Lorsque vous dirigiez M13, did you ever kill a person, any person on your own? Avez-vous I would like to say vous-même? When Brother Chai Kumhor advised me. Kumhor told me that it is the weakness of the intellectual and you need to learn from the peasant and you allow them to do that job and what you need to do is to make an order. So the principle is a lie in this teaching and advice. This is clear. And in practice, I did advise and order pratique, my subordinate to execute and I give the instruction like I address to lawyer Kim Soon. So when you are talking Comme about expliqué, I personally kill anyone, donc, I would like to confirm again, I never kill anyone with my own hands. So you never kill question. Anyone on your own. So and when the Michelin assigned you to be the chief of M13, did you receive any order to kill any prisoner? Est-ce que vous avez reçu des ordres de tuer des prisonniers? When there is a réponse. The person was decided to be arrested, and M13 had to detain, interrogate, and smashed for the upper echelon. But in practice, sur instruction de when I get a confession, I came over to consult when I get the approval to smash, and then I order for the smashing. And if sometime they ask me to ask further, I will follow. So when the upper echelon say that you can go ahead, smash, I do that. So when you get the confession, you lorsque vous recueillez les aveux. So you wait until you get the approval. Vous attendez so, les instructions. The lawyer understand well. After vous avez bien compris. After and then I do not do anything that after interrogation I wait until the approval is obtained and I then des instructions et l'approbation des autorités supérieures pour savoir ce que je devais faire. Question.
So could you please slow down so that we can put on a proper record? So Mr. Defense, pause a little bit before the accused give the response. Please continue. Je vous demanderai de marquer une pause. So in general, mentioned that you were the chief of the prison. Vous étiez do you chef accept de that prison statement? Est-ce que as I was a chief of M13 oui, and chef also as a chief of S21, ensuite, j'ai été chef de all S21 crimes, et tous les crimes, including detention, y compris inhuman detention, la et les conditions de détention inhumaines, against the inmates, women and children, and further to the execution of women and children, admitted all, if there was no me who was there, who made decision and order, there would be another person who replaced. But I was there and I make decision, I order, I do not implicate anyone other than me. It was in my hand. Je ne veux incriminer personne d'autre. I have no more question, Your Honor. Thank you. Je vous remercie, dit l'avocat de la défense. Je n'ai pas d'autres questions à poser. Mr. Francois Roux, do you have Maître any Roux, questions, vous poser des questions to ask the accused, please? Merci, Monsieur le Président. Rapidement. Monsieur Duc, quand le juge Lavergne a commencé ses questions lundi, on a parlé un peu du Parti communiste, de votre engagement dans le Parti communiste. J'aimerais que vous nous expliquiez dans ce parti, qu'est-ce que c'était que le secret et comment, après, vous le viviez dans vos fonctions, d'abord à M13 et nous en reparlerons plus tard à S21. Qu'est-ce que c'était que la politique du secret au sein du Parti communiste? When I joined the revolution, I quand was trained to keep secrecy. On m'a enjoint de garder le secret. For example, we went out to spread the flyer. Par exemple, nous avions distribué des tracts. We were assigned to do that job. And we should not reveal anything to others that we did that work. Que nous faisions ce genre de choses. This is number one. Number two, so what is our connection in the political party? Who is your supervisor? On ne pouvait pas dire qui était son supérieur ou qui étaient les camarades au sein du parti. Who were your subordinates? This matter should not encore be revealed. Qui étaient vos subordonnés? Tout cela ne pouvait pas être divulgué. I went out of SCON. The party activity at SCON was continued. But SCON, there was someone who replaced me, but I do not tell this to anybody. Puis j'étais remplacé par quelqu'un, mais je ne l'ai dit à personne. The task at M13, for example, tomorrow pour or ce qui concerne 5 days in the future, Koytun will be run. I'm sorry, I went too fast. For example, they had bought Prison. I just put four interrogation here. I get the blame Prison from Tamok, but I keep it secret. I didn't tell anybody. Tamok a fait le reproche, mais je ne l'ai dit à personne. And then, if I kill anybody,
Or I do order someone to kill anyone. Et ensuite, si how many people, where they were buried, this is should remain secret. Ces ordres et le lieu où cela se passait, où les corps étaient enterrés, étaient également couverts par le sceau du secret. Another example, autre exemple, Comrade Sam, le camarade chief Sam, of office 201, chef du bureau 201, came to me and asked me to wait, est venu un jour me voir, to arrest one of the victims, pour me demander d'arrêter quelqu'un. I went out to wait and I didn't tell anyone other than my force who were ready to make Après, the arrest. Je n'en ai rien dit à personne sauf à ceux qui ont été chargés de l'arrestation. And therefore everybody see me there to be arrested, but the order made by the upper echelon already. Et j'obéissais ainsi strictement aux ordres des autorités supérieures. The keeping of secrecy, we are successfully kept that kind of confidentiality. Garder le silence, maintenir et ne pas divulguer. Donc, I heard a proverb later, but I did not. The most confidentiality you keep, you can survive longer. Plus vous restez dans la confidentialité et plus longtemps vous vivrez. Pour vous donner une idée de la or confidentialité. Say, ou alors, there were, peut-être four, qu'il y avait, on disait qu'il y avait quatre secrets. Not to speak. Numéro un, ne pas parler. Not to know or not knowing. Ne pas savoir. Not see. Numéro 3, ne pas voir. And do not hear. We can et say, numéro 4, ne pas entendre. Not. So they had us try to continue to conceal everything or to keep the confidentiality in this manner. Et à maintenir les choses dans la confidentialité. Even though the place as the burial place of M13, no one could be there. Le site où n'enfouissaient les corps des détenus éliminé à M13, personne ne connaissait l'emplacement de ce lieu. I informed to the prosecutor yesterday. J'ai I have déclaré the, à la chambre hier, emotional au friendship hier with que j'ai I have a close relationship to the village chief around the office. Chef des villages à proximité du centre. So they have their own tasks. I have my own tasks. J'avais leurs but, propres tâches à mener à bien. J'avais mes propres tâches à mener à bien et Our friendships and we respect one another. We help each other in the spirit of we are in the same revolution. Et nous étions ensemble dans l'esprit de la révolution. So in conclusion, we try to keep a secret for nous everything. Nous avons tenté de maintenir tout dans le secret. All the tasks remain in confidentiality. Toutes les tâches que nous entreprenions restaient secrètes. There is another proverb. If you keep the confidentiality, that you have 50% of success. Si vous gardez les choses, maintenez les choses en confidentialité, vous avez déjà une chance de réussite de 50%.
Et vous nous avez dit que quand des nouveaux gardes arrivaient à M13, vous faisiez leur éducation politique. Est-ce que vous leur enseignez à ce moment-là qu'ils devaient garder le secret? Est-ce que vous leur enseignez ces principes? Est-ce que vous leur disiez que en cas de violation du secret, il y aurait des sanctions? During that regime, the old base line on Lang, everybody know about the secrecy. Lang, eh bien, connaissait ce dont il retournait en matière de secret. The location of M13, everybody at Om Lang knows. Eh bien, tout le monde à Om Lang connaissait l'emplacement de M13. My face and my name, mon visage, all the village around Om Lang know me very well. All villageois, donc qui vivaient à proximité, tout le monde me connaissait. But they did not say anything. Cependant, they didn't tell anybody. Personne ne disait rien. On ne disait rien à qui que ce soit. This is the common knowledge of the villager at that time about myself. La connaissance partagée des villageois à l'époque où je me trouvais là-bas. On the contrary, the question posed by the lawyer. Au contraire, la question posée par l'avocat. The use that I take to to be the guard, did I train them before I train or education? The confidentiality must be the first priority. Passer par une phase d'instruction. Eh bien, en fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que tout passait par une phase de confidentialité. Detailed education from one day to another, from one week to another, we continue forever. Pour ce qui est de cela, on pourrait en parler pendant encore un moment. Normally, based on my experience, the confidentiality, even though it was a classic in nature, we need to keep continue to educate, to remind faisait partie de l'instruction classique. C'est quelque chose que nous devions réitérer à tout moment. If we fail to do that, it might fade away, or the practice will become looser or not so strict. La pratique de la confidentialité, le concept de confidentialité deviendrait plus élastique si nous n'arrivions pas à réitérer cette notion de confidentialité. Donc, est-ce que je peux dire que dans ce parti, du haut en bas de l'échelle, tout le monde gardait le secret et que chacun savait que s'il violait le secret, sa vie pouvait être menacée? Est-ce que je peux dire cela? Would that be a fair statement? Yes, it is the truth. Telle est la vérité. Vous dites souvent à la Chambre que vous exécutiez, vous obéissiez aux ordres des supérieurs. Est-ce que je peux dire que dans le parti, chacun
obéissez aux ordres de ses supérieurs, à quelque niveau que ce soit, et que celui qui désobéissait risquait pour sa vie. Est-ce que je peux dire cela? Anyone saw that, and the lawyer could understand that situation. Vous pouvez constater cela, et les avocats peuvent comprendre ce dont il retourne. Vous dites. Je vous dis, je rendais compte à Von Vett. Est-ce que vous croyez que Von Vett obéissait lui-même à ses supérieurs? Et est-ce que vous croyez que si Von Vett a par la suite été tué à S21, c'est parce qu'il l'avait désobéi aux ordres de ses supérieurs? Est-ce que je peux dire cela? Would it be correct to say this? Thank you. Réponse. Regarding brother Von, en ce qui concerne I never saw Von, any case that he violated the order from brother Paul. Je n'ai pas identifié de situation portant à croire qu'il avait violé les règles. I said about the discussion between brother Mok and brother Von. Je parlais de la discussion entre le frère Mok et le frère Von. In the case of releasing TC1. Dans le cas de la libération de TC1. It indicated that Von Wade. Von Vett take the decision to protect the decision of the party secretary. La décision de protéger donc le secrétaire du parti. He there to defend the decision of the party. Il a défendu la décision du parti. It was said that he respect the upper echelon. Il a été dit qu'il respectait l'échelon supérieur. When brother Von was arrested. Lorsque frère Von a été arrêté. I did not specify the reason of his arrest as I told the co-investigating judges. J'ai dit qu'au juge d'instruction, que lorsque when I enter to meet with Von to see him and to ask to beg for excuse from him, intercéder en sa faveur. At that time, brother Von told me that brother Paul is a kind of a person full of paranoia. He trusts nobody at all. Qu'il n'avait confiance en personne. Aucune confiance. Pardonnez-moi. Quand vous dites le frère Paul, vous parlez de Pol Pot. Mr. Wu, apologies. When you're referring to brother Paul, you are referring to Pol Pot, brother Pol Pot. Yes, in the oui. Party framework of discussion, when dans they refer to Paul, is parti, Paul lorsque Pot. L'on fait référence à Paul, let me try to continue. On parle bien de Pol Pot. Permettez-moi de poursuivre. I would like to continue the arrest of Von Wade because of the suspicion by Pol Pot. Pour ce qui est de l'arrestation de Von Wade, étant donné les soupçons de Pol Pot. I dare not to specify whether or not Von Wade, brother Von, violated or disobeyed. How many times he disobeyed the order, brother Paul? I could not say that. Cas, je n'ai pas divulgué ces informations au frère Paul. However, cependant, he violated. Il to the degree that
they look that he lose all his trust to another member. Qui lui ont conduit à perdre la confiance dont il bénéficiait auprès de ses supérieurs. In conclusion, pour conclure, A violation of the discipline or the party line, or fail to obey the order from the upper echelon, will end up with death. Le fait de ne pas obéir à la hiérarchie, eh bien, conduit à la mort. Look, maybe, mean as a new natural today. Mr. Defense Lawyer, do you have more questions to ask? La défense, avez-vous d'autres and questions now à poser? The trial chamber declare recess for 15 minutes and we will return after that and we will come back at 11:05 minutes. L'audience à 11h05.